bibliothécaire contrôle mon pass sanitaire. Car pour pouvoir entrer dans cette arche de Noé qui abrite des milliers d'ouvrages, j'ai dû faire un test antigénique. J'ai donc l'honneur d'être sous la même cloche de verre que ces auteurs, souvent discriminés à leur époque, révoltés, combattant leur malheur dans leurs œuvres, la dictature à la faculté de faire peau neuve et de digérer les rebelles du passé. Le totalitarisme veut toujours notre sécurité totale et sans faille. Une fois dedans, je me rends compte que nous sommes trois usagers dans cette immense médiathèque, trois VIP. À croire encore aux CD, aux DVD et aux livres papier. Les bibliothécaires sont plus nombreux que nous, parfois avec des visières anti-postillons, et leur seule occupation contre l'ennui est de vérifier nos QR codes. La marque de la bête. Au fait, monsieur le bibliothécaire, avez-vous l'Apocalypse de Saint-Jean? Il se relaye avec zèle pour vérifier nos QR codes. Culture sanitaire, culture sanitaire, culture sanitaire, culture sanitaire, bibliothécaire, SS. Ville vivable, seulement à 5h du matin, à l'heure bleue, où même les flics au ralenti grillent les feux. Sinon en temps normal, ville très peu praticable, à peine respirable, apnée en vélo sans frein, slalomée sans tousser, cancer sans fumée, piste noire par pollution, automobiliste maniaco-dépressif par conviction, embouteillé jusqu'au récif, sniff de la particule fine, piranha moins agressif que bouffe d'élevage en laguna. La la li, la la la, ouha, je vous fais un gros doigt. S'en sortir vivant, qu'en penses-tu? S'en sortir vivant, qu'en dis-tu? Tu as une famille à nourrir, tu es une fourmi, va mourir. C'est le World Trade Center sans la solidarité de 2001. Chacun pour soi, le masque pour tous, usine à autistes. Plus facile le complotisme que la philanthropie. De la poussière, du stress, de l'asthme et des sinusites. Marche avant, marche arrière sur un homme à terre. Mais pourquoi tu hésites? C'est la façon de se dire bonjour en enfer. Je préfère rester impoli au pays des zombies. La nuit, tous les zombies sont gris. Protoxyde d'azote, on ne souffle plus dans le ballon. On l'inhale et le cerveau zozozozote. Et le cerveau zo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 z
homosexuels, mariés et vaccinés se sont sodomisés toute cette nuit d'été. La fenêtre ouverte, les cris gutturaux ont résonné. Dans la cour commune, de 1h à 4h du matin. Et moi, célibataire, hétérosexuel, non vacciné, qui garde son fils pendant les vacances, ait été contraint de mettre des boules qui est-ce, car je suis outcast, car je suis outcast. Ils sont mariés et vaccinés, je ne peux que fermer ma gueule pendant qu'ils s'enculent, pendant qu'ils s'enculent, pendant qu'ils s'enculent. Alerte canicule. Quatre doses de Pfizer et une grosse dose de spermatozoïdes. Les rues pour les porcs vaccinés. Les moustiques me piquent dans la station Pigalle, bientôt rebaptisée paludisme. Dans le wagon du premier métro, les mêmes salariés au même siège, surtout pas d'échangisme. Ça pourrait porter l'œil, en tout cas tout le monde porte le masque comme un deuil. J'aurais bien mis un arrêt maladie, mais les docteurs n'acceptent plus les nouveaux patients. Serment d'hypocrite, pourvu que les Pakistanais se mettent à la médecine générale sans appliquer les tarifs de Franprix. À l'école de Jules Ferry, on nous a appris à être des moutons patients. Maintenant Amazon, tout puissant, nous apprend à être des moutons impatients. J'étais fatigué de la comédie humaine, déjà avant la comédie sanitaire. Vendre son âme et son corps pour un QR code, tu doutais encore que l'on vivait dans Babylone. J'étais fatigué de la comédie humaine, déjà avant la comédie sanitaire. Vendre son âme et son corps pour un QR code, tu doutais encore que l'on vivait dans Babylone. Babylone, 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 Babylone. Je rentre du travail, psychologiquement et physiquement achevé. Mon livre de chevet est la vaginette, le marque-page, le lubrifiant. Quand j'ai commencé à vivre seul, j'ai voulu rattraper le temps perdu, et c'est là où j'ai perdu du temps. La solitude est apprivoisée une fois que l'on s'habitue à qui on est vraiment. J'aimerais avoir les moyens financiers d'être agoraphobe sur une île déserte. L'humanité, un gros microbe. Heureusement, mon rap, l'antibiotique. Mais
est malheureusement la connerie antibio-résistante. J'étais fatigué de la comédie humaine, déjà avant la comédie sanitaire. Vendre son âme et son corps pour un QR code, tu doutais encore que l'on vivait dans Babylone. J'étais fatigué de la comédie humaine, déjà avant la comédie sanitaire. Vendre son âme et son corps pour un QR code, tu doutais encore que l'on vivait dans Babylone. Babylone, Babylone, Babylone. Jeune fait du tapage en écoutant du rap de merde. Décidément, les bourgeois de son bon cas se chier dessus, se faire vacciner, porter haut le masque et ne pas dire bonjour. Mon Dieu, mais quel pays de bourgeois! Je débarrasse le local vélo des épaves qui l'encombrent et eux ramènent un vélo cargo électrique qui reprend toute la place durement libérée. Et maintenant, pour pouvoir sortir mon vélo et aller au boulot, tous les matins je me casse le dos, ça bougeait leur énorme vélo cargo d'une tonne dont ils se servent pour parcourir les glorieux 200 mètres qui séparent leurs petits bourgeois de l'école. Décidément, faut surtout pas que les petits bourgeois marchent à pied pour les habituer très tôt à conduire plus tard des SUV. Je veux une Kalachnikov. Je veux une Kalachnikov. Je veux une Kalachnikov. Je veux une Kalachnikov. Bladada. Kalachnikov. Bladada, bladada. Pour vous, putain. Bladada. Kalachnikov. Bladada, bladada. Pour vous, putain. De toute façon. Bourgeoise ou pas, en milieu urbain, je ne supporte plus l'humain. Bladada. Depuis 42 années, je savais au fond qu'un jour je devrais éclipser, disparaître, pour échapper aux êtres maléfiques que sont la famille et les collègues et tout ce qui relie à ce monde de merde. Couper le cordon ombilical qui relie à la matière fiscale. Le genre humain est une plaie qui jamais ne cicatrise. Elle sointe de l'hypocrisie. Les uns ont du mal à réprimer le bonheur que leur procure le malheur des autres. Bains de mer glacés au milieu des orques pour purifier mes pensées. Et mon staphylocoque scander mon ulcère sur un fjord devant un parterre de phoques en rut est largement plus constructif que de chanter pour des prostituées de Pfizer allaitées au lait de mère Babylone. Homo sapiens allégio dans les gènes,
et inscrit marche ou crève quelque part dans son ADN, éliminer les plus faibles tout en gardant une bonne posture morale. Voilà le but du jeu appelé humanité. Apartheid sanitaire, je paye des impôts donc, rémunère mes persécuteurs. Quel genre de sadomaso suis-je? La non-violence protège l'État, mais qui me protège de lui? Je suis le prochain sur la liste du dépeçage social. L'État capitaliste fait passer Jack l'éventreur pour un vulgaire amateur. Le silence des moutons est étourdissant quand il s'agit de défendre leur liberté. Évidemment, puisque la liberté fait peur. Mais ma liberté ne doit pas s'arrêter là où commence votre BFM peur. Ma pipa O et moi demandons une exfiltration à une nation extraterrestre. Mais en jetant mon clic-clac par la fenêtre, je suis parti avec l'hôpital m'a refusé. Car je suis non vacciné, je vais mourir comme Billy Holiday. Le monde est devenu un paradis pour Vigile. Où trouver refuge, où trouver réconfort, ailleurs que dans l'enfer du virtuel, dans la forêt pardi, dernier lieu protecteur maternel. Mais elle brûle, car il n'y a plus de place pour l'amour, seulement pour le profit. Saccager le cercueil qu'est devenu la planète, baiser le cadavre en putréfaction qu'est devenue l'humanité. Où trouver douceur ailleurs que dans les fleurs à fumer? Les magasins de CBD fleurissent comme l'opium jadis. Et moi avec ma rage, serais-je donc un rouage de ce monde fasciste? La vraie épidémie serait-elle le fascisme? Ou au fond le monde l'a-t-il toujours été? Serait-il uniquement moins hypocrite? Où trouver chaleur ailleurs que dans une grotte? Où trouver meilleur compagnon que les ombres sur les parois de cette grotte? J'écris tout ça en poussant ma crotte. Vérité existe dans un coin de l'univers
et pour endosser cette mission messianique, il n'y avait que l'unique Don Quichotte qui pouvait ressusciter le vrai hip-hop comme support à la vérité. Les artistes ont été les premiers à se faire vacciner, car les artistes ont toujours été les premiers à collaborer dans l'histoire de l'humanité. Il y aura toujours des suiveurs, des persécuteurs et des martyrs. Je n'en veux à personne, mais simplement quand tout redeviendra normal après la guerre civile et que les collabos se feront passer pour des résistants, je veux que vous vous souveniez que quelque part dans un coin de l'univers, la vérité existe et vit. Thank you.